Bonsoir. Comment ça va-t-il? Coucou mamie, coucou Brézou. C'est marrant parce que le Discord. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que ça marche? Est-ce que tout va bien? Le Discord, il met toujours trois plombes à dire que je suis en live alors que les autres lives, ça marche très bien. Oh! La caméra n'est pas bien centrée. Ça va mieux. Ouf! Ouf, on a encore eu de la chance. Alors, petite update des aventures de Lupina sur Internet. Je ne sais pas pourquoi. Coucou Elise, comment ça va? Je ne sais pas pourquoi, mais Twitch refuse de mettre le son sur mes rediffs. Alors, le son de mon micro, il marche impeccablement bien. Mais tout le son, tous les sons, en fait tous les sons de mon PC, c'est-à-dire les jeux, les voix des gens sur Discord, les musiques, peu importe ce que c'est, y a plou. Y a plou, je sais pas pourquoi. J'ai envoyé un message à Twitch qui m'a un peu dit, c'est ton problème, voilà. J'ai un peu tout essayé, je vous avouerai. Et ben ça marche pas. Donc ce que je vais faire, c'est que là en fait je rec le live. Parce que sur mes rushs, le son marche. Donc je règle le live et j'uploaderai les rediffs sur YouTube. Voilà. Quelle peau rose et charmante. Est-ce que c'est une blague, mamie? Parce que ça fait au moins 3 semaines que je me suis pas lavée. J'ai mes règles. J'ai très mal dormi parce que j'ai fait des cauchemars. LOL. Et puis je t'emmerde, voilà. Ça se trouve, c'était un vrai compliment, tu sais. Et la meuf, elle s'énerve toute seule. Comment tu vas, Elise? Coucou, mon petit Pierre. Alors, ce qu'on va faire. déjà, on va. Ah, dégueu. On va discuter un petit peu de ces nouveaux mini-kits, là. Riki-kits, comme on peut dire. Merci, Sissi. Non mais je sais pas si c'était un vrai compliment mamie ou si tu me trollais en fait. Avec toi on ne sait jamais, tu le mérites pas. Oh là là, ça me fend le cœur. Je le mérite, j'ai mal dormi, ok? Tu sais c'est comme les femmes enceintes où on dit « Oh t'as trop bonne mine » alors qu'elles sont complètement en vrac. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Ouais donc parlons des mini qui... Tu trollais pas? Ah bah merci alors. Je sais pas comment je fais pour avoir bonne mine alors que je suis complètement défoncée. T'as mal au sein? Oh, bah, ça va passer, t'inquiète. Merci Brézou. 14e mois, Brézou. Ça fait combien d'ans ça? Un an? Je sais plus. Combien de mois ça dure un an? Putain, j'ai un bug de cerveau là. 12, 12, c'est bon. C'est bon. Ça fait 1 an et 2 mois. Ouh! Ça va passer la douleur, Elise. T'as du Doliprane ou quelque chose comme ça? Merci, Pierre. Donc, parlons de ces mini-kits. Vous, déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. En toute honnêteté, là, comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, allez-y. Si vous aimez, vous dites que c'est trop cool. Si vous aimez pas, vous dites que c'est de la merde. Enfin, bref, faites-vous plaisir. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de ça. Parce que je vais rien dire. Je vais attendre d'avoir votre avis. Et après, je vous exposerai le mien. Alors, d'après Simed, c'est de la merde. Braise aime celui de la cuisine. Très bien. Très bien, très bien. Je les ai pas encore testés. J'ai dû les prendre. Courage, Élise. Ça va, c'est les cicatrices, c'est un peu long, mais au bout d'un moment, t'auras plus mal. Normalement, peut-être. Pour en avoir à peu près 12 000 sur le corps, je t'assure que des fois, ça fait plus mal. Très rassurante, la meuf. On nous prend pour des vaches à lait. Ouais. Celui des vêtements est bof et la spinope. Sachant que c'est des rikikits, hein, c'est pas des kits. Donc, en fait, chaque rikikit a un thème. Donc, soit ça apporte des éléments du casse, soit ça apporte des éléments de construit, soit ça apporte du gameplay.
Les gros pigeons, quoi. Alors, ce que j'en pense, c'est que, dans le principe, c'est sympa. Coucou Bella, comment tu vas? Qu'est-ce que tu penses des nouveaux kits? Enfin, c'est pas des kits, c'est des mini-mini kits. Enfin, bref, appelez ça comme vous voulez. On va les appeler les Ricky Kits, hein, parce que là. Enfin, bref. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je suis perdue. J'ai plus de musique d'ailleurs, j'espère que ça vous dérange pas, donc vous allez juste entendre ma douce voix, mélodieuse ou pas. Hein. Je mets plus de musique parce que ça me casse les couilles. On va peut-être mettre le son du jeu en fond, histoire de dire il y a du son quoi, mais de toute façon, bref. Qu'est-ce que je disais, je ne sais plus. Oui, donc, alors apparemment, ça va pas entacher. Les packs ou les extensions qu'ils comptent faire, s'ils en font encore, si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit. Coucou mon petit Kiki, comment ça va? Donc en soi, c'est juste du contenu bonus. Du contenu bonus payant, hein. Un kit spécial France, ce serait marrant, tu vois. Mais en fait, bah pour moi, c'est l'arnaque. Déjà, je tiens à préciser que je ne les ai pas achetés, qu'on me les a offerts. Et je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas d'avoir gâché 5 euros là-dedans. Donc c'est Braise, Oscar et Miss qui me les ont offerts. Merci à eux. Aujourd'hui, on va tester, si on peut appeler ça tester, hein, parce que... voilà. Rétro et la cuisine. Et quand Miss sera là, puisque c'est elle qui me l'a offert, on testera l'aspirateur. Vous sentez ma joie de vivre? C'est important. Donc en fait, le truc, c'est que ça coûte 5 euros. Donc si on achète les 3, ça nous fait 15 euros, plus ou moins, hein, parce que bon. Et 15 euros pour avoir donc du casse, du mode construit et du gameplay. Ce qu'on avait avant dans un kit en 10 euros. Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu pour des cons? Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Hein? Tu représentes la joie. Ouais, je sais. Attends, je te fais la joie. Voilà, c'était la joie. Un kit spécial femme. Non, mais c'est ça. Le kit de Bobonne, quoi. Donc, Bobonne passe l'aspi. Bobonne fait la cuisine. Et Bobonne, sa vie comme une vieille. C'est parfait. C'est perfect. C'est génial. Donc, on va aller voir le casse. Oui, je sais, vous voyez pas le jeu. Vous inquiétez pas, je le mets. J'avais fait une meuf vite fait, mais on s'en fout en soi. Hein. C'est juste histoire de. Alors, le truc rétro m'attirait vraiment pas parce que le flashy comme ça. Et puis en plus, le rose flashy, le fluo et compagnie, c'est pas trop. Arrête de me faire rire, j'ai mal, je suis désolée. Le flashy, c'est pas trop ma came, mais il y a l'air d'avoir des couleurs à peu près correctes. On verra. Cuisine! Non, mais je vous explique que le cuisine, ça vient d'un mème. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un mème avec un monsieur noir qui fait un speech comme quoi, peu importe ce que la femme fait dans sa vie, si elle a des diplômes, c'est bien, machin, mais sa place, c'est à la cuisine! Et il dit vraiment cuisine! Et ça me fait mourir de rire. C'est la place de la femme, c'est à la cuisine. Tu as des diplômes, c'est bien, mais ta place, c'est à la cuisine. Ça me fait mourir de rire. Et donc, il dit que dès que la femme n'est pas à la cuisine, il y a désordre, apparemment, d'après lui. C'est bien sûr pas à prendre au premier degré. Enfin, vous pouvez toujours le prendre au premier degré. Moi, je le prends en mode c'est drôle parce que. Il est tellement décalé ce monsieur que bah, ça devient risible. Et en fait, il y a un youtubeur, enfin un youtubeur streamer que je suis, Antox Colaboy, je sais pas si vous connaissez, mais c'est grâce à lui que j'ai connu ce mème. Et en fait, il a enfin sorti un magasin où il vend, vous savez, des t-shirts et ce genre de trucs. Et je vous jure qu'il a pris le mème de cuisine, donc il a fait un design spécial. Et en fait, tu as la silhouette du monsieur qui crie cuisine. Et il a mis ça genre sur des t-shirts, des tasses, des tabliers. Comment vous dire que j'ai pris le tablier? Forcément.
Et je vais le donner à Ruru. Et pourra faire la cuisine avec son tablier cuisine. C'est grâce au raptor dissident pour toi. Oui, bah de toute façon, je pense que de toute façon, ce même maintenant, il est connu et reconnu. C'est trop drôle. Enfin, en fait, c'est tellement décalé avec toutes les valeurs d'aujourd'hui que c'est drôle. Après, voilà, il n'est pas méchant non plus. Enfin, c'est marrant. Bref, et si on allait jouer? Ah bah, il n'y a pas ma cam. Bah, ça commence bien, c'est normal. Bonsoir, la cam. J'aimerais la cam. La cam. La cam. Ok. Ah, mais je sais. Voilà. Alors, ta mère. Ta mère, le string. Voilà, on va se mettre là. On va se mettre en plus grand parce qu'on est bonne ou pas. Et on va enlever le fond parce qu'on peut. Voilà. C'est-y pas beau, Jamy. Fuck la cam. La cam, oui! Ah, qui est drôle! Bannissez-moi ça. Au fier. Ta mère, le string, intéressant. Alors, on va regarder le casse de ce truc pack rétro, là. Ah, ils sont où? C'est une blague. Il n'y a pas de... Non, mais c'est une blague. D'accord. Donc ça commence bien. Il n'y a pas de... Ah, si, là. Kit, d'accord. On enlève le féminin. Alors, il y a ce truc. Oui, c'est bon. Bref, c'est bon, j'ai vu. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, bah en fait, le truc, c'est que... Coucou, Chacha, comment tu vas? C'est que si tu bannis un modo, après, il faut que je le remette modo. C'est chiant. Alors, est-ce qu'on peut parler de la logique de mettre une banane dans son dos? Est-ce qu'on peut en parler? Parce que... Non, mais à la limite, une banane devant. Ok. Une banane où t'as la sacoche là. Ok. Mais dans le dos. À quoi ça sert? À part qu'un blaireau fouine dedans pendant que tu marches? Ça sert à quoi? Bon, admettons. Bon, en tout cas, elle a l'air d'avoir un petit peu de relief, c'est déjà ça. Bon, c'est du relief plat, mais c'est du relief quand même. Ouais, bon, bah, c'est un truc, quoi. À part pour faire Jean Mouloud, je vois pas trop pourquoi je le mettrais, mais pourquoi pas? Admettons, en fermant les yeux et en piochant au hasard. Non mais c'est ça, Chacha. On n'a pas confiance avec un sac à dos, alors avec une banane, laisse tomber. Attendez, je vais rajouter la chatbox, moi. Ça pourrait être pas mal. Regardez, on va voir ce que vous écrivez. Peut-être. Peut-être pas. Allô la chatbox. Je sais pas du tout où elle est en fait. C'est pas ça. On va trouver, hein. On va trouver sur une plage ou un oreiller. Donc ça c'est pas ce que je veux. Ça c'est pas ce que je veux. Ça c'est pas ce que je veux. Bon, au bout d'un moment, on va la trouver, hein. Ouais, j'ai encore bien préparé mon live, comme vous pouvez l'admirer. Bon bah tant pis, on vous verra pas. Est-ce que c'est grave? Je suis en train de tout bouger là. Pire idée. Voilà. Voilà. Bon bah tant pis. Je réglerai ça un autre jour. Comment elle marche, ma chatbox? Attendez, on va se mettre là. Comment j'ai fait? Je suis bien préparée. Ah, 500, 500, ouais, admettons. Admettons, on se remet là, attendez. Coucou la rediff, bah on voit pas, mais bon. Blablabla, 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 blablabla. J'ai perdu le truc.
Là, messire, là! Bah, je sais pas, en fait. En fait, elle doit être planquée quelque part, mais je sais pas où. Je sais pas du tout où elle est. Est-ce que si je la mets tout en haut? Hop. Je sais pas. Bon, tant pis. Tant pis, les amis. Alors. Best live. Non, mais ça, c'est. Non. Ça, c'est non, ça. Mais qui porte ça? C'est très laid. Comment ça va, Oscar? Coucou, Momo. Ouais, toi aussi, tes yeux saignent. Non, mais attends, là, là, c'est très, très beau, ça. Ah, j'adore. Attendez. Attendez, je me mets dans la peau. Ah bah, je suis pas vraiment très fan, mais pourquoi pas, après tout, ça peut être sympa, éventuellement, possiblement, un jour peut-être. Ah là là. Ah, j'adore claquer 5 euros pour 3 vêtements, c'est vraiment splendide. Enfin non, en fait, je claque pas 5 euros puisqu'on me les offre. Allez, devinez qui je suis. Ça va et toi, Momo? Non mais en vrai, je suis contente parce qu'ils n'ont pas fait que des couleurs comme ça dégueulasses. Ils ont fait un peu des trucs simples, genre ça, je pense, tu peux le mettre, tu vois. Bon, normalement c'est pour les mecs ces deux-là, mais ça c'est un détail. Mais ça, tu peux le mettre facile sur un bonhomme, genre un kéké des plages ou quelque chose comme ça, ou un lycéen ou ce genre de. Alors je dirais pas le nom, je dirais pas le nom, mais voilà. Bref. Mais je pensais pas forcément à elle s'y mettre ça, ouais. Oh. La fermeture est pas en 2D. Écoutez, je cherche des. Hein? On se demande qui t'a offert cette merde. Bah, c'est toi, Oscar, merci. Aïe, aïe, aïe. C'est pas le pire, hein. Oh, c'est parfait en rose! Ah, oh, ce sera pour Stella quand elle fera son sport! Oh oui! Ah, oh, j'adore! Ah là là! En vrai, ces couleurs-là, elles sont super jolies, je trouve. Légèrement rosées et bleues, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, est-ce que vous pensez déjà? Oui, il y a des coloris qui passent, ça va. Ça, j'aime. Hein. Bah, forcément, les brassières. J'aime bien. Mais ce qu'ils ont fait qui était pas mal, c'est que sur la preview, quand vous regardez dans Origine, c'est qu'ils ont mis toutes les fringues, mais en noir et blanc. Du coup, c'est beaucoup plus sympa. Enfin, c'est beaucoup plus joli à regarder. Et celle-là, je kiffe. Celle-là, je sais pas à qui je vais la mettre, mais elle va être partout. Déjà, Lulabi, c'est sûr. Gourgandine aussi. Mais après, à voir s'il y a des coloris à peu près corrects. Oh, jaune, c'est pas mal. Ça aussi. Ouais, ça va, ça passe. Ça passe. J'ai habillé mon Sims en fluo, ça pique. Non, mais toi, Brest, t'as un problème déjà. Moi, je pense plus. Mon cerveau vient d'être atomisé par tant de bon goût. Il y a des coloris qui passent, d'autres non. Voici le résumé de ce rikikit. Non, mais c'est ça. Ça va, ça c'est. Ouais. Mais alors, ça c'est une vraie question, les gars. Quelle est. Et c'est vraiment une question que je me pose, donc s'il vous plaît, répondez. Quel est l'intérêt de mettre un crop top, donc le ventre à l'air, un crop top, je sais même pas comment ça se prononce, je m'en fous, le bide à l'air, mais avec des manches de malade et un espèce d'effet doudoune? Si tu veux avoir chaud, tu mets un pull. Madame, c'est mauvais, mon ski. C'est très mauvais. Tu sors. Non mais c'est quoi l'intérêt? Parce que là, en gros, si tu veux avoir chaud, tu mets un truc entier. Tu mets pas un bout de truc où t'as froid au bide. Mais je sais que c'est la mode, mais c'est pas une raison. Non, alors s'y mettre. Alors, je t'explique l'anatomie, s'y mettre. Elle le prend pas mal, hein. Mais l'organe reproducteur féminin, il n'est pas là, en fait. Je sais qu'il y a un trou, ça c'est le nombril, tu vois, c'est
C'est là où t'étais attachée à ta maman quand t'étais dans son ventre. Et on le coupe, c'est pour ça qu'il y a un trou, mais il y en a qui n'ont pas forcément de trou. Ça peut être bombé, enfin bref. C'est pas là qu'il faut se reproduire, Simette. Voilà, c'est bon, tu comprends mieux. Ah, d'accord. L'organe reproducteur féminin, il est plus là, tu vois. Ça me fait penser. J'avais vu... Je crois que vous l'avez montré sur le Discord, mais j'avais vu, je sais plus, un espèce de pantalon. En gros, la meuf avait une culotte et un bout de pantalon sur le côté. C'était trop bizarre. Ça ressemblait à rien. C'était n'importe quoi. Oui, Chacha, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, elle a dit lol, j'ai cru qu'elle disait loupi. Beaucoup lui reprochent qu'il n'y ait que des croc-tops dans... Bah en fait, non mais c'est juste que je comprends pas l'intérêt. Pour moi, les croc-tops, déjà tu les fous en été ou quand il fait beau, parce que avoir le bide à l'air, c'est pas très agréable. Quand il fait froid, je veux dire. Enfin, de toute façon, être à poil quand il fait froid, c'est pas ouf. Pif-pouf, c'est pas ouf. Mais coucou Mélo, comment tu vas? Mais en fait, je comprends pas l'intérêt. Genre, t'as bien chaud au nichon et t'as froid au bide. Alors que tout le monde sait que si t'as froid au bide, tu peux choper une gastro, en fait. Et... J'aime pas les croc-tops. Oui, bah, ça, moi, j'aime bien. Sur moi, ça rend immonde, hein. Mais sur certaines personnes, c'est joli. Mais alors, sur moi, c'est magnifique, les gars. Si j'étais enceinte, je pense que ce serait beau. Mais je suis enceinte sans bébé, c'est-à-dire que j'ai le bide comme ça. Ça faisait un bail. Oui, effectivement. Bref, je valide pas ce haut-là, c'est moche. En plus, la poche, là, elle est dégueulasse. Est-ce que tu vas vraiment mettre tes mains comme ça? Salut, hein. Ah, c'est trop pratique. Laisse tomber. Sur moi, c'est trop beau. J'en doute pas, mamie, j'en doute pas. Mais tout est beau sur toi. Ouf, ce moutarde. Oh là 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 là. Non, mais c'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Bon, ça, c'est dégueulasse, déjà. Allez, ça dégage. Le pantalon. Enfin, les bas. Ils auraient quand même pu diviser les kits. Hein. Bon, cela dit, non, puisque... Ouais, non, j'ai rien dit, laissez tomber. Ah, des shorts. Alors, je suis un peu contente parce que les shorts, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est très dommage. Parce que j'aime les shorts. Les meufs en short, c'est trop beau. Peu importe la fille. Hein. Qu'elle soit mince, qu'elle soit grosse, qu'elle soit blanche, noire, verte. Les shorts, c'est beau sur tout le monde. C'est mon avis, après. Ça n'incombe que moi, mais je trouve ça trop beau. Par contre, ce short-là, il est pas ouf. Hein. Et puis, alors, les couleurs... Wouhou ! En blanc, voilà. En noir. Celui-là, à la limite... Monsieur Seigne, bienvenue, Béa. Comment vas-tu? Bienvenue. Ah, oh, c'est vilain. Les couleurs bien flashy. Ouais, bah, c'est le thème, hein, rétro. Apparemment, dans les années avant mamie, on s'habillait comme ça. Hein. J'ai un short, mais que je suis un mâle et pas une meuf. Mais si, c'est bien aussi les shorts pour les gars. Il faut oser. Oser, José. Ça, c'est... Ah, je suis déçue. Franchement, ce short-là, il aurait pas l'espèce de vieux nœud, genre un vieux short pourri. Ça pourrait passer. Parce que la coupe est sympa. Oh là là, la déception. La déception. Pourquoi est-ce qu'ils font pas plus de shorts? Je mets jamais de shorts. Pourquoi ça m'étonne pas, Mosky? Il n'y a pas du 100% sobre. Bah non, parce que c'est le thème du kit, en fait, le flashy. Après, ouais, non. Bah, je suis déçue des shorts, déçue. Alors, le pantalon, bon, bah, c'est... J'ai envie de dire, c'est un jogging, comme on en a déjà 712. On va pas... Voilà, quoi. Si, si, tu m'as déjà vu en short, Simette. Déjà, rien qu'au meet-up, j'avais un short. Et puis, je mets souvent des shorts. Bon, là, j'en ai plus à ma taille, c'est un autre problème, mais... Trop bien, le flashy. La jupe.
Mouin. Je sais pas. Là, comme ça, toute seule, c'est pas... C'est pas folichon, mais je pense qu'on peut l'adapter pour une histoire ou un truc. Ou peut-être un uniforme. Genre... Attendez. Bon, là, ça va pas avec ces fringues-là. Mais genre, on lui met une chemise, tu vois, et un uniforme, et ça peut... Et la jupe. Et ça peut faire un uniforme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Attendez, je cherche les chemises, là. Chemise. Genre un truc du style. Bon là évidemment ça ne va pas. Parce qu'elle rentre pas dedans. Putain c'est casse-couille. Je veux une chemise. Ouais bon. Dans ma tête ça rendait mieux. Les shorts j'aime pas. Bah tu as le droit Moski de pas aimer. Mais laisse-moi aimer les shorts. Bah après, j'avoue que je trouve ça plus joli sur une fille que sur un gars. Mais encore une fois, c'est mon avis. Ça vaut ce que ça vaut ou pas. Hein. Attendez, je vous lis un petit peu. Ah non, c'était à Brest que tu disais que tu l'avais jamais vu en short, tu con. Pardon, excuse-moi. Simette. C'est vrai que je l'ai pas vu en short non plus, hein. Cette jupe là, ça va, mais je crois qu'on en a déjà une dans le style. Mais ça, pareil, ça peut être uniforme ou pour le tennis ou je sais pas, ça va. Et les couleurs sont pas trop horribles non plus, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais je pense que je la mettrai jamais, mais pourquoi pas. Et ce jogging, hein, encore une fois, on en a déjà 15 000. C'est vraiment pas nécessaire pour moi de faire un kit de vêtements sur des trucs qu'on a déjà en fait. En fait, le seul truc qui change dans ce kit-là, c'est que, ben, il y a, des couleurs flash. Et encore, des couleurs flash, je sais pas ce qui nous manque. Alors, les baskets, par contre, j'aime bien. Mais je croyais qu'il y en avait deux. Elles sont jolies, j'aime bien. Je pense que je les mettrai. C'est le genre de basket qui vous fait des tout petits pieds. Alors, je vous dis pas, moi qui fais du 36, je mets ça, j'ai l'impression de marcher sur l'orteil. Hein. J'ai juste perdu la vue. Non, non, il n'y a pas que pour les femmes. Là, j'ai supre. J'ai supre, il y a aussi des trucs pour les hommes, là. Et je crois qu'il y en a pour les enfants et les bambins aussi, on ira voir tout à l'heure. Donc, il y a ce truc. Ça, c'est pas possible, par contre. Non mais... Il y a vraiment des gens qui se baladent comme ça. Le truc a aucune forme. Les manches sont dégueulasses. Il y a aucune sexitude et en plus c'est ras la moule. La mode me dépasse les enfants. C'est ça. Celle-là, par contre, elle est mignonne. Bon, pas dans cette couleur. Hein. Ça, c'est immonde. Mais en vrai, ça passe, ça. Pareil pour un uniforme ou une connerie comme ça. Ça passe crème, hein. Ouais, c'est sympa. Et celle-là aussi, elle est mignonne. Mais moi, en fait, ça me perturbe. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est encore mon avis personnel. Ça me perturbe quand... Quand les trucs sont ras la moule et qu'il n'y a pas de décolleté. Alors je sais que quand il y en a trop, ça fait vulgaire. Mais genre, comment tu peux mettre un truc ras la moule, trimballer avec un col roulé? C'est pas raccord, ça fait bizarre. Hein? Soit t'es sexy, soit tous les pas. Non, mais j'aime bien les robes aussi, je t'avoue. Bon, les gosses. Oh putain, je peux pas la changer. Je peux pas en ajouter, I suppose. Ouais, bah attendez, je vais quitter et je vais revenir. La mode, c'est ça, c'est... Mais... vas-y, ferme ta gueule et mets-toi enfant. Ça, c'était fait. J'ai pas regardé les chapeaux, je suis con. Ah, magnifique chapeau, les gars. De toute façon, je mets jamais de chapeau. Vous mettez des chapeaux, vous? Ouf!
Oh, il est beau celui-là. Oh my god. Moi, c'est un truc que j'oublie tout le temps à mes Sims de leur foutre des chapeaux. Il y a des accessoires? Je pense pas. Il y a des cheveux? Eh, ce serait bien. En vrai, s'ils font un kit ou je sais pas quoi sur juste des cheveux, je prends. Parce que les cheveux, on en manque. Les chaussures aussi. Non, évidemment, il n'y en a pas. Je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose. Oh, ferme ta gueule. Oui. Le même chapeau, ouais, bon. Eh. Et alors, les kits. Ouais, donc il y a la jupe là, ok. Oh bah globalement, il y a ce qu'ont les adultes, mais en petit, quoi. Ils sont pas trop foulés, ça va. Waouh. Il y a même pas de jupe pour les moufler, super. Alors, quitte à faire un kit que de fringues, faites-le bien. J'ai envie... Oh là là. Ah, j'ai mal au crâne. Excusez-moi. J'ai mal au crâne juste en la regardant, cette pauvre enfant. Bah. C'est insupportable. Attendez, on va... Voilà. Perfect. Ah, ah, qu'est-ce que c'est beau. Ah là là. Mais c'est ça, hein, Moski, c'est les fringues des années 80. Hein. Bah, c'est le titre du kit après. Hein. Ok, il n'y a rien pour les bambins. Really? Mais alors, ça veut dire que les mecs... Ils te vendent un kit à 5 balles. 5 balles quand même. Tu te payes un McDo avec ça. À 5 balles pour des fringues. Et t'as même pas toutes les... Oh putain. Toutes les tranches d'âge. On en parle ou pas? C'est honteux. Oscar, tu as perdu 5 euros. Félicitations. Oh là là. Je trouve ça honteux. Comment tu peux faire un kit juste full fringue et pas faire des fringues pour toutes les catégories d'âge? C'est super. Bon, on va passer au kit cuisine. Hein, parce que là, je crois que ça y est. Là, j'en ai assez. Ça me saoule déjà. D'ailleurs, les gars, vu que les Sims, c'est pourri de bugs, je suis à nouveau en mode j'ai plus envie de jouer aux Sims. Hein. Donc vous inquiétez pas, ça reviendra, mais pour le moment, je suis complètement dégoûtée. Alors, voyons voir le mur de cuisine. Oui, oui, non mais c'est ça, bien sûr. Donc les femmes ont 3000 fringues et les mecs ont un pauvre haut et un pauvre bas. Non mais c'est toujours pareil en fait. C'est toujours pareil. Là, en soi, que ça soit un mini kit, je sais pas quoi là, comment ils appellent cette merde... Ou un kit normal, t'as autant de fringues pour moins cher parce qu'en plus t'as les objets et le gameplay. Et ça m'énerve. Ça se sent que je suis énervée ou... Ah pardon, il faut être sympa. Ah là là, c'est trop bien. Non, j'y arrive pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai l'impression que d'avoir arnaqué mes amis, tu vois là, parce que c'est... C'est eux qui me les ont offerts. Je ne vous remercie toujours pas. Et là, vous avez clairement perdu de la thune, les gars. Enfin, Oscar, en tout cas, t'as perdu de la thune. Oh là là. Bah alors, ce sol est très beau, par contre. J'ai enlevé la grille, excusez-moi. J'aime beaucoup, beaucoup ce sol. Le mur, à voir. À voir comment le foutre. Mais alors, le sol, les gars... Maman... Ouh, c'est beaucoup trop beau. Rikikit, non mais c'est ça. C'est ça, même un kit qui est centré sur les frags, ils sont pas foutus de faire un truc correct. C'est honteux. 5 euros pour des trucs que j'ai déjà dans un kit. Merci, mais non merci.
C'est la moitié du prix d'un kit où tu as tout, en fait. En vrai, c'est la moitié... C'est 5 euros, c'est la moitié du prix. Je sais que je parle beaucoup de prix, mais là, c'est aberrant quand même. C'est la moitié du prix d'un kit où tu as tout. C'est-à-dire que tu as du gameplay, du... Enfin, vous avez compris l'idée. Et pourtant, y a moins de trucs. Alors que c'est censé être centré... Enfin, vous avez compris l'idée, je suppose. Je suis en train de rabâcher parce que ça m'énerve. Bref, la cuisine. La cuisine, c'est... Mais attends, mais c'est dégueulasse. Mais pourquoi elle est toute pourrie comme ça, la cuisine? Ils peuvent pas faire une peinture correcte? Oh non, mais je suis trop déçue. Oh, la déception. Oh. Ah, je suis déçue. En fait, sur l'affiche des objets en miniature, je voyais pas. Je sais pas si vous voyez. Bah, vous voyez pas avec ma grosse tête dégueulasse. Attendez, je vais me pousser. Viens là, Lupina! Putain. Mais ta mère. Voilà, viens là. Voilà. Je voyais pas, mais en fait, il y a plein de petits ch'tards là. C'est pas de la belle peinture toute fraîche. Le truc, il est vieux comme ma grand-mère. À bientôt 92 ans ou 93, voilà. Alors, non, en fait. C'est vieilli, c'est pour ça. Ouais, mais moi, j'aime pas. Bah, je mets pas ça dans ma cuisine, c'est dégueulasse. Bah, bref, félicitations, t'as acheté 5 euros par la fenêtre. Oh, oh, la déception, j'ai envie de pleurer. Ah. En blanc, à la limite, ça se voit pas trop, mais on va pas mettre des cuisines blanches, quoi, c'est triste. Coucou Claire, comment tu vas? Ah, je suis déçue. Déçue. Ah, celui-là a pas l'air d'avoir trop de ch'tard. Ah, si, un peu. Ça se voit pas trop, mais alors la cuisine verte, non. Oh là 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 là. Ah oui, mais si tu aimes bien, tant mieux. Tant mieux. Mais là... Enfin, pour moi, t'as jeté 5 euros par la fenêtre parce que je pense pas que j'utiliserais ça. Parce que c'est dégueulasse. Ils pouvaient pas... Oh, je suis tellement déçue. Vous la sentez, ma déception, là? Je suis à deux doigts de pleurer parce qu'en plus, j'ai mes règles, alors je suis ultra sensible. Oh, quelle bonne idée de faire ce live à ce moment-là. En vrai, je suis dégoûtée parce qu'ils auraient très bien pu faire des... Parce qu'ils l'ont déjà fait. Ils auraient très bien pu faire des tons avec justement les ch'tards dans le bois et tout, parce que oui, pourquoi pas. Et ils auraient aussi pu faire des tons avec tout bien peint, bien lisse. Ils en ont déjà fait, en fait. Oui, non, mais même si... Non, mais attends, ma cuisine, elle n'est pas moderne, il n'y a pas des ch'tards partout non plus, faut arrêter. Je veux bien que ce soit ancien. Chez mes parents, la cuisine, elle est super ancienne. Il y a du carrelage vert et du bois brut. Je peux te dire que c'est pas aussi lynché que ça, quoi. Ils ont fait quoi, là? Ils ont planté le couteau et ils ont craqué le bois parce que... Faut y aller, quand même. Faut être vénère. Non, mais attends, le bois, ça s'abîme pas aussi facilement, les gars. Hein. Oui, bah, si tu veux, bref. Non, mais c'est pas le truc, c'est que... Je peux très bien aimer une cuisine qui est faite avec ça, mais c'est juste que moi, dans mon jeu, dans mes construits... Après, comme d'habitude, je peux changer d'avis, et vous savez très bien. Mais là, de prime abord, c'est pas ce que je mettrais dans une cuisine, en fait, parce que... Bah, c'est tout pété de partout, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ils auraient vraiment dû faire les deux possibilités, parce qu'ils l'ont déjà fait sur d'autres objets. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait là. Bah, encore une fois, ça vaut pas 5 balles, hein... Bon, bah on va se rattraper avec les petits trucs. Genre ça, c'est très mignon. Ça va aller partout. Ça aussi. Ça aussi, certainement. Ça, c'est... Oh, la boîte à blé ou à pâte ou à sucre, là, c'est trop cute. Voilà, bah super, quoi. Bah, voilà. C'est génial. Et le frigo aussi, il est déwinché? Non, ça va. Le frigo, il est propre! Tu peux avoir un frigo propre, mais pas tes meubles, connard!
Bah, le frigo, il est pas mal, hein. Regardez en rouge, est-ce qu'il a pas la classe en rouge? On n'a pas envie de l'appeler monsieur quand tu l'ouvres. Genre, monsieur, excusez-moi, puis-je prendre quelque chose dans votre ventre? Oui, je suis partie en délire. À tout à l'heure, Kiki. Non, mais franchement, il est beau, le frigo. Il est... Voilà. Non, mais j'essaye de... J'essaye de me réconforter, là, parce que je suis trop triste. Je suis si triste. Voilà, voilà, on est bien, c'est super. Bon, le four aussi est pas mal. La gazinière, pardon. Et ensuite, il y a les aspirateurs. Bah écoutez, on va déjà les regarder. On va déjà les regarder. Super magnifique aspi, super aspi. Oh là 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 là. Oh là là, c'est pas possible. Quoi. Bon. Bah, conclusion. Attendez, je vais voir si les objets peuvent changer de couleur déjà. Là, tu vois, la petite jardinière, elle est abîmée. Je sais pas si vous voyez, mais elle est abîmée. Mais ça gêne pas, parce que c'est un petit truc, c'est un petit élément de déco. C'est pas... Bah, c'est pas tes meubles, en fait. Dyson, c'est ça. Oh, c'est trop bien, on peut changer genre. Là, c'est le thé. Là, c'est le café. Là, c'est de la beuh. Là, c'est des piments, je sais pas. Là, c'est ta mère en string. Là, c'est pour le blé. Et là, c'est pour des bombes. Allez, des bombes. Oh! Le signe. Ça me fait tellement penser au jeu de loi qu'on avait fait avec Ruru. Non, c'est sympa, ça, qu'il y ait plein de petites boîtes de toutes les couleurs. Non, non, mais en fait, ils ont mis tout le budget dans les boîtes, c'est ça, j'ai compris. Des cookies. Non, c'est des bombes. Coucou, Miss, des bisous. Non, les aspirateurs, je t'attends, t'inquiète. Coucou, Ella, Ella, je suis en train de rager. Comment tu vas, Moru? Non, en fait, ils ont mis tout le budget dans les boîtes. Pour faire des nouveaux logos, des nouvelles couleurs et machin, et bidule. Alors c'est très bien. C'est cool, les boîtes. Ils auraient pas pu faire plus de budget pour avoir des meubles propres. Putain de merde. Excusez-moi, je... Non mais sérieux, je suis dégoûtée. Sur la miniature des objets, ils avaient l'air trop beaux. Et en fait, ils sont déwinchés. J'ai pas payé pour ça. Bon, en même temps, j'ai pas payé, on me l'a offert, mais... Bon alors récapitulons. Les fringues, c'est de la merde. La cuisine, c'est de la merde. Non mais c'est dingue parce que j'ai pas acheté le truc et je me sens quand même arnaquée. Je m'attendais à rien, je suis quand même déçue. Je t'entends gueuler des chiottes. Ah bah tu m'étonnes. En même temps en plus j'ai la porte ouverte, ça résonne, laisse tomber. Meuble propre. Bah non en fait ce que je bon les fringues du kit fringues à la limite c'est bien. Donc ce qui est bien, on va essayer de... Attendez, on va quitter ce jeu de l'enfer, on va se remettre en mode discussion. Voilà, bonsoir comme ça. Coucou la rediff. Elle a pété l'ordi. Non, je tiens trop à mon ordi pour ça. Donc, j'ai pas encore testé l'aspirateur, puisque je le répète si vous venez d'arriver. Je testerai l'aspirateur quand Miss sera là et Miss travaille l'après-midi. Donc, on fera ça un soir quand elle dira « Loupi, je veux mon live » et je ferai le live. Et on testera l'aspirateur. Alors, je m'attends à rien. Hein. On fera Kevin qui passera l'aspirateur, ça va être sympa. Bref. Donc... Les fringues. On commence par les fringues. Donc les plus. Les plus, j'ai dit. On commence par les plus. Qu'est-ce que j'ai dit dans les plus? Il y a des trucs sympas. Après, c'est selon les goûts de chacun, évidemment. Donc pour moi, il y a des trucs sympas. Éventuellement, tout peut être un peu juste à poser. Je sais pas le prononcer. Avec un peu tout. Ça peut être cool, voilà. Éventuellement, pourquoi pas. Et je suis aussi contente parce qu'ils ont mis des couleurs moins flash. Il y a des couleurs pastel et il y a un peu de noir et un peu de blanc. Du coup, si t'aimes pas le flashy qui te nique les yeux... Non, ça c'est dans les points négatifs, pardon. Si t'aimes pas le flashy, tu peux quand même
prendre un petit peu de pastel ou un peu de noir et bref, c'est pas mal pour faire son sport. Les points négatifs. la banane dans le dos. Non, mais en fait, la banane dans le dos, c'est juste que je comprends pas le principe. Après, en soi, c'est plutôt cool et le vêtement lui-même est assez bien modelé. C'est-à-dire que la banane, elle est pas plaquée. Enfin, c'est pas un dessin sur le vêtement. C'est vraiment... elle est modelée, elle est en 3D et tout, donc c'est plutôt cool. Les points négatifs. Alors, le flashy t'arrache les yeux. Hein, alors, je sais que c'est censé être flashy, mais quand même, je pense qu'en faisant leur code couleur, parce que je dessine à mes temps perdus, surtout en ce moment, et en fait, quand vous avez la roue de couleur ou le cadre de couleur, enfin, peu importe, tu peux aller dans la saturation max ou ce que font en général les dessinateurs pour, par exemple, le noir et le blanc, c'est qu'ils vont pas au bout du curseur du truc pour faire le plus pétant possible, mais ils descendent un tout petit peu. À l'œil nu, ça ne se voit pas, mais ça te pète pas les yeux. Je sais pas trop si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais en gros, c'est juste un tout petit peu plus faible que le blanc pur ou le rouge pur ou la couleur pure en elle-même. Et ça change rien, sauf que ça te pète pas la rétine autant que si c'était pur. Je sais pas si vous avez compris. On va dire que vous avez compris. Mais là, je pense, tout ça pour dire que je pense que pour leur kit, ils se sont pas fait chier à baisser un tout petit peu le curseur. Ils ont vraiment mis au fond du fond de la saturation. Ça déchire la rétine. Au moins... Non, mais l'avantage, c'est que tu mets ça à ton gosse, tu le retrouves même dans le noir. Le luminou dans le noir, tu peux le voir, là. C'est insupportable. Alors, je plains les épileptiques, parce qu'à mon avis, juste voir leurs sims s'habiller comme ça, ils vont faire une crise. Ils vont faire une crise sur leur clavier, hein. Ne prenez pas ce kit à cucu, s'il vous plaît. C'est très... Ah oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de moto dans les Sims, donc... Ah, mamie, elle est vénère, là, pour la, pour la banane. Hein. Mais moi, tu sais, je faisais du cheval, j'avais la banane, parce qu'avant, je mettais ma pompe dans une banane. Avant, bon, j'avais un sac à dos, ensuite j'ai une banane, ensuite j'ai une sacoche. Moi, je faisais du cheval, donc la banane était sur mon ventre. Il n'y avait pas de problème. Après, je comprends. Il y a les cyclistes, oui, mais bon... Enfin, le truc, c'est qu'il y a les cyclistes, certes, mais déjà, le vélo, ils y vont pas tout le temps. Et puis, c'est pas une fringue qu'ils mettraient juste pour le vélo, tu vois. C'est une fringue qu'ils ont tout le temps, donc c'est débile. Et puis même, j'ai déjà vu des gens se trimballer avec la banane dans le dos, IRL. Hein. Et... Bref. T'inquiète, je le prendrai pas. Et du coup, tu m'as fait diverger, mamie. T'énerve pas, ça vient se passer. Aïe, 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 elle est énervée, là. Les motards, putain. Mamie, elle va arriver en moto, elle va me péter la gueule. Elle va me dire, tiens, bouffe ta banane. Ce débat, n'est-ce pas? On s'en fout, en fait. On s'en fout totalement. Attendez, je vais remettre mon fond pendant que j'y pense. Aïe, 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 aïe. Voilà, bonsoir. En plus, je suis plus zoomée. C'est beau, n'est-ce pas? Mamie en bikeuse. Mais moi, je veux voir ça. Hein. Vénère! La banane de tes morts! Bref, qu'est-ce que je disais sur ce kit-là? Ah oui, donc, il y a globalement le même nombre d'objets dans ce kit, qui est censé être un kit centré sur les vêtements, que dans un kit normal. À 10 euros, je précise, il vaut 5 euros. Hein. C'est important, 5 euros, parce que là... donc, il y a rien pour les mecs, enfin, quasiment rien pour les mecs. Ils ont pas fait toutes les tranches d'âge, les bambins, ils ont rien, même pas un pauvre chapeau. Ils ont que dalle. Les enfants, ils ont le minimum syndical, c'est-à-dire un bonnet, une robe... peut-être un t-shirt, je sais plus. Ouais, un t-shirt et un jogging. Et ensuite, en fringue en soi, bah, c'est des trucs assez répétés. C'est-à-dire des croc-tops,
Des jogging, on en a déjà 50 000. Hein. Voilà. Et en fait, j'ai l'impression que c'est déjà des formes qu'on a, des trucs qu'on a. C'est juste que c'est flash. Enfin, que ça t'arrache la rétine. Voilà. Donc, conclusion sur ce kit fringue. On va lui mettre une note. Sur 10. Je dirais 2. Voilà. C'est génial. Et alors, le kit cuisine. Alors, les plus. Maintenant, les moins. Non, les plus, la déco est très très mignonne. Toutes les petites boîtes et tout, c'est sympa. J'aime beaucoup le sol. Le mur, ça peut passer. Je pense que je vais le réutiliser. Les décos sont vraiment trop trop choux. Voilà, maintenant les moins. Les moins, franchement, bah, encore une fois, c'est que mon avis. Hein, si le frigo et la gazinière sont très beaux, mais alors les meubles de cuisine et le lavabo et la petite commode et tout ça... Je suis vraiment déçue parce qu'ils ont pas mis... Enfin, en fait, la peinture est éclatée. Et moi, j'aime bien avoir une cuisine propre. Ouais, le mur jaune est sympa, ouais. Et en fait, je suis déçue parce qu'ils auraient pu rajouter quelques couleurs de peinture propre. Pas éclatée. Et ça m'a vraiment déçue quand j'ai vu ça. J'étais en mode... Mais... Ouais, c'est ça, ça passe de loin. De loin, si tu vois la cuisine de loin, ça passe, genre elle est clean, mais alors si tu te rapproches, c'est éclaté de partout. Le bois est éclatax. Je suis vraiment déçue. Re-kiki, je suis vraiment déçue, mais... Et puis pareil, il y a vraiment très peu d'objets, en fait. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 avec le sol et le... Et le... Comment ça s'appelle? Le mur, c'est très peu. C'est très peu, je pense qu'il y en a autant dans un kit. Un kit coûte 10 euros, les mecs, et vous avez les trois trucs, c'est-à-dire les fringues, la constru, et le gameplay. Là, en fait, vous payez 15 euros les trois kits, pour avoir les trois choses que vous pouvez avoir dans un seul kit. Alors, ok, c'est pas le même thème et tout ça, donc du coup, vous pouvez avoir plusieurs thèmes, machin. Mais... Ça va, votre débat de moto? Je vous emmerde pas trop? Non, franchement, je... Bon, la cuisine, quand même, je mettrais plus 5 ou 6, mais... Très déçue. Bah, du coup, je pourrais pas faire de cuisine avec ça, quoi. Ou alors dans des vieilles baraques, mais je fais rarement des vieilles baraques, donc... Bah en fait, moi je pense qu'ils auraient dû mettre plus de trucs, quoi. Pour un kit centré sur quelque chose, vraiment. Vraiment les fringues, je comprends pas pourquoi ils en ont pas mis pour tous les âges. Y a rien pour les bambins. Même que t'aimes ou t'aimes pas, c'est pas la question. C'est que y a rien pour les bambins, y a deux fringues pour les enfants. Et on n'arrête pas, ils nous ont fait un sondage il y a quelques temps là, pour demander ce qu'on voulait, et tout le monde a râlé comme quoi il n'y a rien pour les bébés, bon les bébés de toute façon c'est des poupées, ils servent à rien, il n'y a rien pour les bambins, il n'y a rien pour les vieux, il n'y a rien pour les, putain comment ça s'appelle, les enfants, ils ont commencé à faire des efforts... Sur la dernière extension, parce que les enfants peuvent faire du ski, alors qu'avant ils pouvaient pas faire toutes les activités des adultes, en fait, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, non mais les hommes c'est pareil, ils ont quasiment rien, enfin... Faut arrêter quoi, déjà les hommes ont quasiment rien, et en plus, quand tu regardes, c'est toujours la même chose. Tu peux pas faire vraiment des trucs de ouf, parce que c'est toujours pareil quoi. Et moi, mes mecs, bah, au final, il doit y avoir trois fringues qui me plaît dans le tas et ils sont toujours habillés pareil. Mais oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est pareil en vrai pour les gars. Hein. En vrai, pour vous habiller... Bah, c'est ce que je disais la dernière fois quand j'étais en train de chercher des fringues pour un pote. J'étais en mode, putain, mais dans ce thème-là, les filles, il y a tout. Il y a tout. Il y a même plus que tout.
Il y a même des trucs, tu te demandes d'où ça sort, et les mecs, il y a que dalle. C'est ça, allez, tous à poil, les mecs. Et je trouve ça triste. Et c'est un jeu qui est censé prôner la diversité, l'égalité, et ils nous font chier parce qu'on est vulgaire et parce qu'on dit trois gros mots, mais et parce qu'on n'est pas friendly, je sais pas ce que tu veux, là. Mais à côté, ils te font des trucs de merde comme ça. Ah, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, ce kit. Et le pire, c'est que je pense que je me sentirais moins mal si j'avais moi-même acheté ces merdes. Parce que là, c'est mes potes qui me l'ont offert et j'ai l'impression de vous avoir arnaqué, les gars. Je vais vous rembourser, je crois, parce que c'est pas possible. Hein. Bon, et puis la cuisine, bah, en soi, la cuisine, hormis ce détail du bois fondu, c'est pas si mal. C'est mieux que le kit des fringues, en tout cas. C'est moins pire, enfin, c'est mieux. Ouais. C'est mieux, je pense que je réutiliserai les trucs. La déco, c'est sûr qu'elle finira partout. Parce qu'elle est bien. Le lavabo, je pourrais éventuellement le réutiliser, pourquoi pas. Les meubles, peut-être que je changerai d'avis et je les mettrai. On verra. On lui achète un kit et s'énerve. Bah ouais, mais du coup, c'est vous qui avez gaspillé de l'argent, donc... Il y a que les filles qui jouent aux Sims, lol. Mais justement, c'est que les filles qui jouent aux Sims, vu qu'elles sont principalement hétéros, encore une fois, c'est des guillemets, tout ça, hein, bah, devrait y avoir plus de contenu pour les mecs pour qu'on se fasse plaisir, tu vois. Donc c'est pas logique, si on part dans ce sens-là. Et les gays, oui, c'est ça. Donc voilà, devrait y avoir plus de trucs pour les mecs, du coup. Non, en vrai, je l'aurais pris moi-même si ça avait été à 2€, parce que ça vaut pas plus, hein. Ou attends, c'est quoi le... Ça fait combien, 10 divisé par 3? 3, quelque chose, je suppose. Bah voilà, alors disons 3,50€, voilà. À 3,50€, je l'aurais pris parce que c'est vraiment un kit séparé en 3 à 5€. Donc, c'est l'arnaque. Niveau prix, en tout cas, c'est l'arnaque. Ouais, 3,33€, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est vrai. Les filles sont auto-centrées sur elles-mêmes. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, le prochain let's play que je fais, je me ferai moi-même et je serai fabuleuse. Ah ben non, c'est déjà le cas. Ouais, c'est ça. En fait, s'il l'avait mis à 3,50€, éventuellement, je me serais pas plaint pour le prix. Parce que c'est ce que ça vaut. Mais alors 5€, non. Tu sais, la meuf qui pinaille pour 2€, mais c'est abusé, quoi. Je sais même pas quoi vous dire. Je pense que j'ai fini de râler. Je reviendrai râler quand Miss me dira qu'en faire l'aspi. Je suis pas pressée. Je suis pas du tout pressée. Qui c'est qui me MP encore, là? Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est Braze. Ah, c'est gentil, Braze. Tu feras une maison avec le kit Aspi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse une maison avec le kit Aspi? Il y a juste 5 aspirateurs dedans. Ah, cramer, pardon, j'ai pas vu. Excuse-moi, Claire. On peut cramer avec l'Aspi? Bah, je sais pas. C'est pas moi. Non, elle veut pas son argent. Elle me dit que ça lui fait plaisir de me l'avoir offert et qu'au moins je fais marrer les gens avec mes réactions. Voilà. Mais c'est pas une raison. Mais oui, elle est mignonne. Si tu nettoies pas, les lapins ils peuvent brûler ta maison. Bah, peut-être qu'à la limite on se marrera plus sur le kit Aspi parce qu'au moins il y aura de quoi faire et ce sera peut-être pas trop trop l'arnaque, tu vois, mais. Bon, on verra, de toute façon, on testera ça quand Miss sera OP. Bon, sur ce, les gars. Petite question. Vous voulez un... Je vais peut-être... Ouais, non, je sais pas. J'avais dit que je ferais du Twilight Princess, mais j'ai la flemme. Et j'ai envie de continuer de dessiner mes trucs. Donc, je pense que je vais aller... Je vais aller continuer de dessiner mes trucs, voilà. En fait, il n'y a pas de question.
La meuf change d'avis comme de chemise. Y'a pas de question, je vais manger mon yaourt et pleurer en silence de ces kits de merde. samedi, soit on sera trop concentré sur Minecraft et je ferai pas de live, soit je ferai du Zelda. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, en ce moment, les Sims, no way. Depuis que j'ai testé Paranormal, que ça m'a couvert de bugs et que j'ai vraiment rage quitté. Quoi. C'est... Bref, bah, j'espère que ce live de rage vous aura plu. J'ai enregistré la rediff, donc je la foutrai sur YouTube, en espérant que ça ait bien marché cette fois, sinon je pense que je vais me suicider. Non, je plaisante, on ne plaisante pas avec ça. je vais aller en PLS dans mon lit. Vas-y, fonce, Momo. Et puis, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'être venu. Des bisous et salut!